Pourquoi choisir une carte collection caritative? Soutenir une bonne cause caritative au quotidien, sans même y penser, c'est ce que propose l'option carte collection caritative. Mais comment fonctionne-t-elle? Je suis Carole, chargée de conseil bancaire chez Société Générale. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions sur l'option carte collection caritative. Comment fonctionne l'option carte collection caritative? Si vous choisissez l'option carte collection caritative, Société Générale fera un versement à l'association ou la fondation que vous avez choisie à chacun de vos paiements. Vous pouvez sélectionner une cause parmi nos partenaires qui couvre des domaines très variés: la recherche, le médical, l'environnement, l'humanitaire, les sports, la protection des animaux, le sauvetage en mer, etc. Cette option est uniquement compatible avec les cartes Visa et Visa Premier. Au quotidien, son fonctionnement demeure inchangé. Ses capacités de paiement et de retrait restent identiques et les assurances restent les mêmes. Comment souscrire à cette option associée à la carte bancaire? C'est simple, vous sélectionnez la cause qui vous tient à cœur et que vous souhaitez soutenir au quotidien grâce à l'utilisation de votre carte bancaire. La liste de nos partenaires est disponible sur le site Société Générale et dans votre agence. Vous recevez alors une nouvelle carte aux couleurs de la fondation ou de l'association que vous avez sélectionnée. Comment les versements aux associations sont-ils réalisés? Pour chaque paiement effectué, Société Générale verse 5 centimes d'euros à l'association choisie. Et ce, quel que soit le montant du paiement, qu'il soit fait en magasin, avec ou sans contact, en ligne ou avec votre smartphone, avec le paiement mobile. En revanche, les opérations de retrait ne sont pas comptabilisées. Chaque mois, Société Générale verse le montant correspondant au nombre de vos achats multiplié par 5 centimes à la cause que vous avez choisie. En 2020, plus d'1,2 million d'euros ont été versés aux partenaires du programme. Combien cela va me coûter ? Chez Société Générale, vous pouvez souscrire l'option carte collection caritative pour 14 euros par an. Cette cotisation s'ajoute à celle de vos cartes Visa ou Visa Premier ou à la cotisation de votre offre de services groupés, Jazz ou Sobrio. L'utilisation de votre carte bancaire ne génère aucun coût supplémentaire. Pourquoi payer une cotisation alors que je pourrais la verser directement à une association de mon choix ? L'option carte caritative est un dispositif de soutien complémentaire aux associations. Puisque vous avez besoin d'une carte bancaire au quotidien, autant l'utiliser avec l'option carte collection caritative pour soutenir une cause qui vous est chère. L'usage moyen d'une carte est autour de 300 paiements par an. À cette fréquence, les sommes reversées à l'association sont supérieures à la cotisation de 14 euros. Pour exemple, ce geste solidaire a permis à l'UNICEF de financer la distribution de plus de 140 000 vaccins contre la rougeole, 20 000 cartables et près de 100 pompes à eau un peu partout dans le monde. Vous pouvez donc soutenir une cause et afficher votre engagement grâce à une carte aux couleurs de la fondation ou de l'association de votre choix. Est-ce que je peux changer d'œuvre caritative en cours d'année? Oui, bien sûr. Vous êtes libre de choisir n'importe quelle cause quand vous le souhaitez, sans surcoût supplémentaire et sans attendre la fin de validité de votre carte. Société Générale vous enverra une nouvelle carte au logo de l'association choisie. Mon option carte collection caritative permet-elle de bénéficier d'une réduction d'impôt? Non, parce que c'est Société Générale qui verse à l'association partenaire directement les 5 centimes d'euros par paiement. Est-il possible de revenir dès que je le veux à ma carte bancaire initiale? Oui, vous n'êtes pas obligé d'attendre la date d'expiration de votre carte pour reprendre une carte bancaire sans option. L'option carte collection caritative est résiliable à tout moment. C'est déjà la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur l'option carte collection caritative. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.